tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto pour vous montrer tout simplement comment gagner de l'argent avec Adfly. Alors Adfly c'est un service de shortlink. Les shortlinks c'est des raccourcisseurs d'URL, un peu comme Bitly. Imaginons, j'ai un lien comme celui-ci. J'aimerais qu'il devienne tout petit et que le lien, imaginons, soit Adsoon. Donc ça ferait bit.ly slash Adsoon. Ce serait beaucoup plus simple pour accéder à notre URL. Et bien là, c'est ce que nous allons faire, sauf que cette fois, ça va nous rapporter de l'argent quand une personne va cliquer simplement sur cette URL. Donc pour faire ça, ça va être très simple. Vous allez ouvrir votre nouvelle page de votre navigateur préféré. C'est comme vous voulez. Une fois ouvert, on va la mettre en plein écran. Vous allez pouvoir écrire Adfly. Et vous faites entrer. Et là, vous aurez Adfly. Si vous préférez, vous pouvez mettre adf.ly. Vous allez arriver sur ce site. Donc juste ici, vous allez faire inscrivez-vous. Et là, vous allez entrer vos informations. Donc, j'entre toutes mes informations et je reviens. Alors, j'ai oublié de préciser, dans le type de compte, vous allez bien mettre Link Shrinker, c'est très important. Allez, je fais la suite. Vous entrez le CAPTCHA, F-F-B-L-K-E, donc ce sera pas pareil sur tous les ordinateurs. Vous pouvez choisir si vous voulez en son aussi. Et vous faites, j'accepte les termes de condition. Et condition. Rejoindre. Ah, ça a déjà été utilisé. Bah, vous savez quoi, c'est pas grave. On va mettre. Donc voilà, j'entre le CAPTCHA. Et voilà. Donc, il me dit bien que j'ai reçu un mail au mail, bien sûr. Donc là, je patiente. Ah bah regardez, je n'avais pas fait attention. Si je vais sur mon mail, donc là, non, vous aurez ceci. En fait, vous faites juste plus et spam. J'avais pas remarqué qu'il était dans les spams. Et donc là, il me dit bien, à coup de confirmation, Wise Adfly. Donc je clique dessus. Et là, je vais cliquer sur AYJGY, etc. Slash index, slash confirme. Donc là, il me dit bien, j'ai mon code. Donc je vais entrer mon code juste ici. Et voilà, compte confirmé. Donc là, vous allez faire connexion. Et là, vous allez vous connecter à votre compte. Moi. Vous mettez bien ce souvenir de moi et connexion. Voilà. Enregistrer. C'est toujours meilleur. Et là, vous allez bien faire yes. Voilà. Donc vous allez arriver sur cette page-ci. Donc sur cette page-ci, ça va être très simple. Vous allez aller dans compte. C'est vraiment très important. Et donc là, nous allons entrer nos informations. Alors moi, je vais entrer des fausses informations. Si vous n'avez pas envie de mettre vos vraies adresses, je vous conseille ce site. Il sera en description. Donc moi, je dis que j'habite dans cette rue-là. Parfait. Que ma ville, c'est Phoenix. État ou région ? Donc la région. Je ne suis pas sûre, mais je vais dire que c'est... Attendez, vite fait. État ou région ? Ah oui. Non, c'est ça. Le zip code. Et voilà. Le numéro de téléphone. Ce n'est vraiment pas obligatoire, ça, si je ne me trompe. Type de compte. Vous mettez bien personnel. Et donc voilà. Là, ça vous en foutez un petit peu. Alors, stopper les utilisateurs d'Adblock, ça vous fait bien oui. Ou alors non, c'est comme vous voulez. Si les gens ont leur bloqueur de pub, ils ne pourront pas aller sur l'URL.
Moi, je vous conseille de faire non, parce que sinon les gens, ils vont essayer d'aller sur le rail, ils vont dire que sans se quitter, ils vont dire, oh, c'est quoi ce truc, c'est pourri. Donc, je vous conseille de faire non quand même. Donc là, vous faites bien mise à jour du compte. Ah, veuillez saisir votre nom et prénom. Voilà. Attendez, ça, je crois qu'on n'est pas obligé de mettre le numéro. Voilà. Ah si. Comment est-ce qu'on va faire? On va mettre ce numéro. Voilà. Donc, maintenant que c'est fait, on peut retourner dans l'accueil. On va voir qu'il s'est strictement rien passé. Nous, on va aller encore une fois dans compte. Pour actualiser, on a bien dû faire ça. Et là, dans le système de paiement, vous avez PayPal et Payoneer. Payoneer, c'est des virements bancaires. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est PayPal. Parce que je n'ai pas de compte bancaire. Donc, dans PayPal, vous allez juste mettre l'email PayPal que vous souhaitez. Moi, je vais mettre mon email PayPal. Et voilà, mon email PayPal est entré. Je fais bien mise à jour du compte. Maintenant, ce qui va nous intéresser, maintenant que tout est configuré, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est créer un lien. Comment créer un lien? Pour créer un lien, vous allez voir, c'est super simple. Dans HTTP. Donc, imaginons, j'aimerais que ça me ramène sur. Je ne sais pas. Je vais mettre le lien me ramène sur Roblox. C'est un exemple, hein. Après, vous mettez l'URL que vous souhaitez. Là, on a le Roblox. On va aller sur Adfly. Et nous allons entrer Roblox, donc l'URL. Dans domaine, très important, vous prenez celui qui a le plus de dollars. Donc, on va bien prendre lui. Afficher plus d'options. Et là, vous vérifiez bien que c'est sur publicité interstitielle. Je sais pas si je l'ai bien. Interstitielle, oui, c'est ça. Vous mettez bien ça. Non personnalisé, alors c'est ce que je disais. Donc, le lien, on aimerait que ça soit, imaginons. Bonjour. Non, Roblox. Avec 3x. Pour être sûr que ça n'a pas pris. Dossier, soit vous ne mettez pas. Et là, vous faites réduire. Et donc là, vous pouvez faire copier. Et désormais, comme vous voyez, j'ai bien mon lien. Todansco slash slash Roblox 1. Et donc, je vais désormais aller sur ce lien. Parfois, si les gens cliquent, ça peut leur amener sur des sites. Mais évitez. Là, il vous dit donc si vous utilisez Adblock, il veut dire oh là là, vous utilisez une application d'anti-blocage de pub. Donc vous faites continuer. Enfin, anti-pub. Donc vous avez enlevé votre Adblock. Voilà. Donc vous aurez beaucoup de pubs, d'arnaques, etc. Donc ne faites pas attention à ça. Et là, vous faites bien passer l'annonce. Ça vous, la page là, vous en enlevez. Et là, voilà. Ça me ramène bien. Là-dessus, sur la page de Roblox. Voilà, je peux aller voir les autres. Tac, etc. Donc, comme vous voyez, ça marche super bien. Alors, sur la page qu'il y avait juste avant, je sais pas si je vais réussir à la mettre, mais il y avait une page juste avant où il disait Please push the allow button. Alors, ceci, c'est qu'il va falloir accepter les notifications. Donc, si vous voulez tester sur vous-même ou expliquer sur une de vos vidéos, je vous explique. Donc, une fois qu'il aura accepté les notifications, il risque de se faire spam de pop-up. Donc, pour enlever les pop-up, vous allez faire trois petits points. Paramètres. Vous allez descendre tout en bas. Paramètres avancés. Paramètres du site. Et notification. Et là, vous allez chercher le site qui ne vous convient pas. Donc, moi, imaginons, jeu gratuit, c'est un site qui fait des pop-up à mort. Donc là, vous faites trois petits points et bloquez. Et voilà. Là, vous ne recevrez plus aucune notification du site en question. De base, ça va être Marsève 1 ou un truc comme ça. Donc voilà. Et si on retourne bien sûr à Adfly, bon, non, c'est pas instantané, hein. Mais il y aura écrit une vue et là il y aura écrit zéro
0,0014 dollars gagnés. Donc, aussi, vous pouvez retourner dans retrait. Et donc là, il faut bien vérifier que tout ça soit en vert. Donc, compte de retrait défini, c'est si vous avez bien entré votre PayPal. Ça, ne vous inquiétez pas, même si c'est pas coché, ce sera bon. Payer une fois avec un paiement mensuel. Ça, vous vous inquiétez pas. Compte datant de plus d'un mois. Alors, ça, c'est vrai, il faut que le compte date de plus d'un mois pour faire un retrait. Il faut que les comptes, enfin le détail du compte soit inchangé depuis 72 heures. C'est-à-dire que si vous avez changé l'adresse PayPal, etc., il va falloir attendre 72 heures pour pouvoir faire un retrait. Limite de retrait atteinte. Donc il faut minimum avoir 5 dollars pour faire un retrait. Et donc, comment le retrait va se dérouler? Là, comme vous voyez, dans retrait, là, nous avons un petit compteur. Ce compteur signifie de quand est-ce que ça va se terminer. Donc, s'il est écrit 40, enfin s'il est écrit 18 jours, vous allez devoir attendre 18 jours et vous recevrez votre paye sur votre compte PayPal. Et donc, nous là, il me reste 15, 15 heures. C'est-à-dire que demain matin très tôt, je vais avoir ma paye de 0 euros. Mais vu qu'il n'y a pas 5 dollars pour le moment, je ne pourrai pas recevoir. Après, vous pouvez booster, genre vous faites, si vous voulez télécharger ce logiciel, cliquez sur ce lien et vous mettez un lien Adfly. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Ah, et oui, j'avais oublié quelque chose, il faut que votre compte PayPal ait le téléphone vérifié. On se retrouve pour une prochaine vidéo et au revoir.